Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Fagi, Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Frita, Claude Shlomo, Ben Shalom, et Ishaya Ben Linda, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Michel, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Pea, Perikhet, Mishnah Tet, la dernière Mishnah de la Maserhet, Mishajlo, Hamishim Zuz, Veunose, Venoten Bahem, Arezelo Itol, Vechol Mishel Notzarich Litol, Venotel, et non Niftar Mina Olam, עד שיצטרך לבריות, וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל, אינו מת מן העולם, מן הזקנה, עד שיפרנס אחרים משלו, ועליו הכתוב אומר, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. יש מעט לה פה לממון, פסקפחי לסביד למשנה, סלום מה יש דולה לרפוריה. שכמובן דבר עבק, מי שיש לו 50 זוז, סולי כי דתיין פוסד 50 זוז, והוא נושא ונותן בהם פחות, Il a 50 zouz, mais il fait du business, il achète des marchandises, il les revend. Et donc, dans ce cas-là, la Mishnah me dit, ben, Arezel Oitol, il ne sera pas en droit de prendre la tzedaka. C'est-à-dire, dans la Mishnah précédente, on avait appris qu'on considère comme riche, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est plus pauvre pour pouvoir se nourrir à partir de la tzedaka, c'est qu'il fallait qu'il ait nécessairement 200 zouz, c'est ce qu'on appelait... 212, c'est la parnassa d'un an. S'il a des biens supplémentaires de 212, il doit d'abord vendre ses biens, récupérer son argent, et seulement après, il pourra prendre la tzedaka. Maintenant, 212, c'est pour une personne qui ne travaille pas. Mais quelqu'un qui a 512 uniquement, mais qu'il a la possibilité, il est actif, il est capable, il achète constamment des marchandises et il les revend. Pour le moment, tu as les 512 dans les mains, eh ben, tu n'as pas le droit de prendre la coupe à tzedaka. Continue à te subventionner tes besoins toi-même et ne tombe pas sur la tzedaka, d'accord? Maintenant, la Mishnah m'ajoute, avec du moussard maintenant, jusqu'à la fin de la Mishnah. Avec le premier d'abord, c'est toute personne qui n'a pas besoin de prendre et qui prend, c'est-à-dire une personne qui n'est pas en droit de recevoir de la tzedaka, selon mes critères, tu as assez d'argent chez toi, mais il préfère aller se servir malgré tout. Alors la Mishnah lui dit, sache que il ne partira pas de son monde jusqu'à qu'il ait réellement besoin des autres. C'est très dur, très triste. C'est qu'en fait, il n'était pas en droit de recevoir, mais il a préféré se faire passer pour un pauvre. Et bien, la misère qu'il va avoir, c'est que Minashamaim, on va dire, ben, tu sais quoi, il a voulu être pauvre, mais qu'il soit pauvre. Et donc, à la fin de sa vie, il finira pas ses jours sans devenir un réel pauvre qui sera dépendant des autres. Et au contraire, vechol mi shetzarich litol, ve'einon otel, enomet minazikna achei farnes acherim mishelo. Et celui qui, au contraire, il a en droit de prendre, mais malgré tout, ve'einon otel, il se serre la ceinture pour ne pas prendre. Il préfère ne pas prendre, ne pas avoir recours à la tzedaka et se débrouiller tout seul jusqu'à ce que la chance lui retournera. Et bien, Behemet HaMishnah lui assure que. Et nos matminazikna atchefarne sachrim michelo. La Mishnah lui assure qu'il ne mourra pas, il n'atteindra pas la fin de sa vie, sans qu'il soit lui-même, c'est lui-même qui va nourrir les autres. Il était en difficulté, il n'est pas parti chercher la tzedaka, il s'est retenu, il a baissé la tête jusqu'à ce que la vague passe. Et bien, sache que quand il relèvera la tête, il finira ses jours en donnant la tzedaka aux autres. D'accord? Le Bartanoura nous précise, attention. C'est que on parle de quelqu'un qui va se forcer à travailler plus pour pouvoir se débrouiller lui-même, s'en sortir tout seul. Mais une chose de sûre qui est interdite, c'est que Valim enta en maseyadav maspikin lo mesagef atzmo bechayet sarjli le Bartanoura korvin le mita alze amruk ala sorech letol venotel areze shofer damim. La Mishnah nous rapporte que si toutefois par contre il a le droit de prendre, il n'y a rien à faire. C'est sa situation, il a le droit de prendre. Et malgré ses efforts, il n'arrive pas à subvenir ses besoins. Et qu'à cause de ça, il se met en danger. Et bien dans ce cas-là, face au Khalila, c'est très grave aussi. Ok? Donc on parle que d'une personne qui a la possibilité de se serrer la ceinture et laisser, comme on dit, la vague passer. Puis finalement, sans se mettre en danger, sans porter préjudice à ses enfants. Si à cause de sa pauvreté, il va faire que maintenant. Ses enfants, ils vont être des délinquants, alors bien sûr qu'il a intérêt à prendre et l'obligation de prendre. Ok? Donc ça, la Mishnah m'a dit,
tout celui qui devait, qui est en droit de prendre, mais qui s'efforçait pour ne pas prendre, il s'est débrouillé, tant bien que mal, par-ci, par-là, eh bien, la Mishnah nous assure qu'il finira ses jours en donnant lui la tzedaka aux autres. Et sur lui, le pasouk nous dit, Baruch HaGever, qu'il soit béni, qu'il reçoive la bracha, qu'il reçoive l'abondance, l'homme, Asher Yivtach Bashem, qui va croire en Hachem, mais pas juste qu'il croit en Hachem, Vaya Hachem Yivtacho, et Hachem est lui son pilier sur lequel il s'appuie. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'il y a plusieurs niveaux, le pasouk qui nous dit, il insiste, on est tous plus ou moins croyants, on est tous Botrim Bashem, mais on n'est pas tous au niveau que Hachem c'est notre Yivtach. Je me sens tranquille face à n'importe quelle difficulté, je sais qu'il y a Hachem derrière moi. Ça, c'est la bracha, la pasouk l'assure que Baruch HaGever Asher Yivtach Bashem et Hachem Yivtacho. La Mishnah continue en disant maintenant, selon ce principe, là, on va avoir la transition, elle n'est pas claire en fait, mais on va la récupérer à la fin de la Mishnah. Vechol Dayan Shedan Dinemet Lamito. Vechen Kol Dayan Shedan Dinemet Lamito. Il en va de même aussi pour tout juge qui va juger le Emet, un din, son jugement, Emet Lamito. Il va le jurer vrai au nom de la vérité. Pas au nom qu'il craint, que quoi que ce soit. Il sait qu'il est d'une halakha juste et qu'il en est. C'est-à-dire, la Mishnah vient me dire, l'expression Emet Lamito, c'est sur ça que je me concentre. C'est quoi un juge qui va juger Emet Lamito? Si c'est Emet, c'est Emet Lamito, c'est quoi? La vérité au nom de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui vont juger un jugement vrai, mais que, par exemple, il y a plusieurs explications qui sont proposées, mais deuxième temps, c'est qu'il est bien content de savoir que c'est lui qui a perdu. Il a jugé vrai, mais c'est plus Lamito. Donc dans ce cas-là, c'est pas bon. Il faut qu'il soit. Il faut qu'il juge au nom du Emet. Et quel rapport dans ce cas-là avec la Mishnah? Alors là, il va falloir interpréter un petit peu plus. Et dire qu'en réalité, il y a des fois où on est bien content. Imaginez que par exemple, c'est quelqu'un que j'ai besoin de ses services. Moi, je suis juge. C'est quelqu'un que je vais avoir besoin de ses services la semaine prochaine. Il vient, je le juge. Et qu'il sort Zakai. C'est lui qui a gagné le procès. Je vais peut-être me sentir content que grâce à moi, il va se sentir bien. Quand c'est la semaine prochaine, quand je lui demanderai un service, il va me le donner de manière... Ouais, mais c'est la fin de ma faute, il va vouloir m'aider, puisque finalement c'est grâce à moi qu'il a gagné. Alors là, ça s'appelle que je suis en train de juger le Emet, mais au nom, pas au nom du Emet. C'est vrai que j'ai dit, mon psaïdine, il est Emet. Mon verdict, il est Emet. Mais je ne l'ai pas fait au nom de la vérité. On va me soupçonner que peut-être que j'ai des néguillotes, j'ai des a priori, j'ai des intérêts à le faire. Donc dans ce cas-là, si moi, alors le Michel me dit, juge toujours en sachant que c'est Hachem qui est ton Yivtach. Tu crois en Hachem, t'inquiète pas. Ce que tu as besoin, tu le recevras. Ce qui ne te revient pas, tu ne l'auras pas de toute façon. Et dans ce cas-là, tu es intègre avec Hachem, et Hachem, il t'aidera, il te résoudra tout ton problème. De la semaine prochaine, tu n'as pas besoin de l'aide de lui, tu obtiendras tes besoins d'une autre manière. D'accord? Maintenant, la Mishnah, elle revient sur le pauvre. De nouveau, même la transition, elle est un peu compliquée, mais l'idée, elle est simple. Et toute personne qui n'est pas un chiguer, qui ne lui pas, c'est pas une personne qui lui manque un pied. Velo souma, c'est pas un aveugle. Velo pisear, c'est pas non plus quelqu'un qui a les deux jambes coupées. Vosse atzmon kachal même, mais il se fait malgré tout comme si qu'il était un misken comme ça. Alors la Mishnah lui assure, enomet minazikna ad cheye kachal même. Il ne mourra pas, il finira pas ses jours jusqu'à qu'il deviendra comme ces gens miskanim. Imaginez, soit. Il y a plusieurs interprétations sur la Mishnah. Au sens simple, on continue à parler du pauvre. On a un pauvre qui vient, qui va se mettre à boiter. Vous connaissez malheureusement, ça saute aux yeux quand c'est... Il y a un pauvre qui vient, qui nous fait le pauvre, qui va vouloir faire la manche à la synagogue, et qui va se mettre à traîner sa jambe comme si qu'il boite. En réalité, il n'y a aucun problème. Il peut très bien marcher, mais il préfère aggraver un petit peu sa situation. Alors la Mishnah lui assure que le pauvre, cette personne-là, il finira pas ses jours jusqu'à ce qu'il boitera réellement, il lui manquera un pied. Ou tout ce qu'il a fait, s'il a voulu faire l'aveugle, il perdra sa vue. Ainsi de suite. D'accord? D'où c'est déduit ça? Tzedek, tzedek tirdof, que justice, justice, tu poursuivras. C'est-à-dire en fait, zdaka, comme ça il y en a qui expliquent, que zdaka, bet tzedek tirdof, même si tu dois ramasser la zdaka, tu le feras avec tzedek, avec justice, et pas en essayant de fausser les données qu'on te donne autre chose, plus que parce que tu as l'air encore plus, parce qu'il a l'air encore plus misérable.
D'accord? Dernière partie de la Mishnah, c'est Vechol Dayan Shelokar Shochad ou Matet Adin. Et tout juge qui va prendre du Shochad, va prendre des. Comment dire, des pâtés pour boire. Quand j'étais fatigué, ça ne marche pas. Les mots ne me sortent pas, excusez-moi. En tout cas, des pots de vin, ça y est. Tout juge qui va prendre des pots de vin, ou Matet Adin, à cause de ça, il va faire pencher le jugement dans un sens ou dans l'autre. Il a une petite enveloppe en cachette par lui, et du coup il va lui trancher le din pour lui. La Mishnah lui assure, « Enomet minazikna acheina ukeot » Il ne mourra pas. Il ne quittera pas ce monde jusqu'à qu'il va d'abord devenir aveugle. « Sheneemar » comme dit le verset, « Veshochad lo tikar » Et tu ne prendras pas du dépôt de vin, « Ki a shochad yaver ene pikrim » Yaver pikrim, car le shochad va rendre aveugle les gens intelligents. Soit, vu que c'est en rapport avec le même principe de la Mishnah. Quelqu'un qui veut ramasser de l'argent en faisant comme si il a le bras cassé, on lui assure, il aura le bras cassé. Et il finira avec un bras cassé. Et alors là, selon ce même principe, comme ça, les méfarchimes expliquent que le juge qui a reçu des pots de vin, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et là maintenant, les deux personnes, Reuven qui est contre Shimon, et Shimon, il a déjà donné un petit pot de vin chez le riche. Au juge, le juge, quand ils vont commencer à débattre des questions, il va faire comme si il voit pas la vérité. Il va la voir une vérité fausse. Donc d'une certaine manière, il est en train de faire l'aveugle. Selon ce même principe, la Mishnah lui assure, sache qu'il ne quittera pas son monde jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. C'est aussi du Mida Kenegan Mida, la loi du talion, comme on dit. C'est que parce qu'il s'est fait aveugle dans certains procès, comme si il ne voyait pas assez net, il tendait plus pour Reuven à la place de Shimon inversement. Ah, tu sais pas, tu vois pas bien, on va faire en sorte qu'il va vraiment pas bien voir d'ici la fin de ses jours. Et c'est ce que la Mishnah rapporte ensuite dans le passage du explicite dans la Torah, que le Shochad, il rend aveugle les gens intelligents, c'est-à-dire les yeux du Sechel. C'est-à-dire le passage au sens simple, la Torah vient juste justifier, sache que tu ne prendras pas des pots de vin pour faire pencher le jugement, même si tu penses que tu vas faire pencher le jugement, le verdict. Parce que réellement, le verdict, il sera faussé malgré tout. Ça, c'est au sens simple. Au sens plus profond, c'est que la Mishnah du Pasuk, que lorsqu'il va prendre du Shochad, il va jouer, il va faire en sorte qu'il va devenir aveugle. À cause de ça, il va réellement devenir aveugle et perdre la vue d'ici la fin de ses jours, Chas V'Chalila. Et Baruch HaShem qu'on a réussi à finir la Masechet Pea. Adranalach Masechet Pea, Adranalach Masechet Pea, Adranalach Masechet Pea. On va se faire un petit Lechaim. Et après on commence tout de suite, bien sûr, la première Mishnah de Demaï. D'abord, un petit coup d'arak, ça rend joyeux avant d'aller dormir. Et les Chaim Tovim au Shalom, qu'on a le mérite de continuer encore tout le Seder Zraïm, après le Seder Taharot. On aura fait comme ça tout le Shalom, bien sûr, on continue à avancer de plus en plus. Très grande Simcha, qu'on a le mérite de continuer encore pour longtemps en parfaite santé. Et voilà, les Chaim Tovim Shalom, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Olam Shakom Nivor. Et on commence tout de suite la Masechet Dmai. A Kalin Sheba Dmai, A Shitin Varimin Varuz Radin, et je m'arrête tout de suite. J'explique d'abord c'est quoi l'idée du Dmai, on l'a déjà évoqué dans les Mishnayot précédentes, on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Le Dmai, c'est un décret que Chachamim ont fait sur les fruits qu'on achète de personnes qui ne sont pas méticulées dans le mitzvot, on craint qu'ils ne prélèvent pas normalement là, trouver les tombes au Maasrot, donc du coup, la Rami m'a instauré. Lorsque tu achètes des fruits, tu fais un deuxième prélèvement, ça s'appelle le Demaï. On expliquera tout plus en détail, mais ça déjà la prochaine Mishnah, quand on la démarra officiellement. Et pour le moment, je vous souhaite une excellente journée. Kol Tuv Selah.